J'ai tout de suite demandé à Philippe Braget, est-ce que je suis libre d'écrire ce que je veux? Donc c'est sur le Népal, c'est sur les réfugiés, mais est-ce que d'abord je suis libre de choisir le genre qui m'intéresse, ou même poème ou n'importe quoi, mais est-ce que je suis libre de mon choix stylistique, de ma manière de raconter l'histoire et même de la manière de peut-être de découper des histoires? Et il m'a dit oui, tu es libre de construire comme tu veux. Donc d'une manière générale, dans ma vie d'auteur débutante, c'est la première fois que j'acceptais une contrainte de cette nature par rapport à un thème. Puis après, j'ai fait ce voyage avec un carnet. Je n'ai pas écrit là-bas. J'ai pris beaucoup de notes. Puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai laissé reposer. Puis je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai commencé à écrire, les notes ne me servaient plus. C'est-à-dire, je m'installais devant mon ordinateur et l'ambiance, les rencontres, les visages, tout ressortait avec les émotions que j'avais ressenties là-bas. Et là, je me suis retrouvée détachée de l'obligation d'écrire pour rentrer dans le plaisir de raconter une découverte humaine, des rencontres, voilà. Je ne sais pas si Attic ou Laurent voulaient ajouter quelque chose. Je veux bien. Non, je pense que comme Fatou avait beaucoup posé de questions à Philippe, moi, c'est vrai qu'il est venu me voir en me disant « Vous avez toute liberté ». Donc, je n'avais plus cette crainte-là. Et donc le souci n'a pas été là. Je me souviens, je crois, avoir posé beaucoup de questions. En revanche, la chose que j'ai voulu vérifier, qui peut-être m'angoissait le plus, en fait, était de dépendre sur place, notamment de l'équipe qui filmait. Parce que j'essayais de m'imaginer ce que c'était que d'être dans un camp de réfugiés. Et je pense que, je voyais bien d'ailleurs, effectivement, qu'une équipe, même si elle est réduite, mais quand même avec une caméra, un preneur de son, c'est forcément un événement assez considérable dans un camp. Et je sais que je me souviens d'avoir posé des questions là-dessus. Est-ce que je pourrais avoir ma propre vie, me débrouiller, avoir un traducteur pour ne pas être forcément dans les pas du réalisateur qui filmait avec son équipe? Parce que je ne voulais pas avoir ce filtre-là vis-à-vis des gens qu'on allait rencontrer, voilà, que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut. En fait, de fait, ça s'est très bien passé. D'abord parce que Arte avait mis à disposition effectivement autant de traducteurs qu'il y avait d'intervenants, donc on ne dépendait pas les uns les autres, et même si un camp, en tout cas celui où on était un espace fermé, on y reviendra peut-être, en fait on se croisait assez peu, on se croisait quand on voulait se croiser, ce qui était formidable, et donc en fait ce souci-là a été assez vite balayé. Dès le premier jour, j'ai vu que je n'allais pas être dans, comment dire, que mon contact avec les gens sur place n'allait pas être impacté par la présence de l'équipe de tournage. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure que vous avez chacun des trois, en tout cas ceux qui écrivent, pour le dessinateur c'était plus facile, vous devez dessiner, en tout cas chacun choisit des modes narratifs très différents, les poèmes, le récit, les lettres, donc ça on va y venir. Moi j'aimerais qu'on commence maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le premier camp, donc c'était le Népal. En deux mots, pour contextualiser, le Népal, il y a à peu près 200 ans, le Bhoutan a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, donc notamment népalaise. Les Bhoutanais sont arrivés là-bas, ils ont défriché, ils ont travaillé, ils ont commencé à gagner leur vie, à s'installer, à faire des études pour certains. Et puis, il y a une vingtaine d'années, le roi du Bhoutan, qui par ailleurs met en avant le bonheur national brut, s'est inquiété de cette population d'une centaine de milliers de personnes en se disant « mais ils sont dans la même zone géographique, ils commencent à avoir un poids ». Est-ce que demain, ils ne vont pas demander l'indépendance? Et donc, il y a eu un décret royal qui a dit « Ceux qui ne renoncent pas à leur tradition, à leur langue, à leur religion, à leur costume, seront renvoyés. » Et une bonne partie a été renvoyée donc, dans le pays de leurs ancêtres, puisqu'ils n'avaient jamais connu leur pays, qui était le Népal. Le Népal les a accueillis, mais vraiment du bout des doigts, en disant « Ok, ils reviennent au Népal, mais dans des camps. » Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce camp-là, c'est que depuis quelques années, il y a une mesure de réinstallation, comme on l'appelle. Donc en fait, avec l'Office des migrations internationales, on essaye de réimplanter ces gens dans des pays d'accueil. Donc c'est essentiellement, c'est pas la France, c'est les États-Unis, l'Australie, le Danemark, les Pays-Bas, et puis un ou deux autres. Et donc c'est là-bas que... Alors, Fatou et Nicolas sont allés. Donc Fatou a choisi, elle, le récit. Le récit jour par jour. Racontez-nous un peu ça. Donc on allait rendre visite aux réfugiés. Et juste, excusez-moi Fatou, on voit les photos, là, pour les traits de Martine Middlebrook,
possibilité un peu visuelle de ce camp et des personnages. Il faut que je fasse une voix off de documentaire. Donc là, les affaires en vrac, c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans toutes les pièces où on entrait, vous avez des gens sur le départ. Comme quelqu'un qui n'est pas installé, les gens ne sont pas installés, ils sont suspendus. Il y a toujours des affaires rangées dans un coin, comme si vous attendiez une cloche pour lever l'ancre. Donc, il y a la précarité aussi, vous voyez les huttes qu'on a ici, c'est très réduit. Et les gens sont contraints de rester là-dedans à partir de 17h. Donc dans un de mes textes, je me demande, que reste-t-il des couples, que reste-t-il des amours, que reste-t-il de la dignité quand les gens sont contraints à brûler leur patience dans des picots comme ça à partir de 17h jusqu'au lendemain matin. Et puis là, les sacs, évidemment, les calories de la survie, il y a des grammes, donc je n'ai plus 2100 calories par jour pour maintenir en vie. Donc cette nourriture qui est pesée, mesurée, même les grammes de sel, donc voilà, et les gens dépendent de ça et il faut construire et faire des plats succulents, nourrir les enfants, étonner son mari, tout en n'ayant pas la liberté de varier ses ingrédients, puisqu'on dépend de l'aide humanitaire. Alors là, ce sont les anciens qui m'inspirent une phrase, que les graines poussent sur les cendres. Parce que ce sont les anciens qui acceptent de laisser leur histoire, de changer de pays, d'abandonner tous leurs souvenirs pour permettre à leurs enfants d'aller construire une nouvelle vie ailleurs. Donc ce sont les sacrifiés pour moi, les anciens. Donc, et puis vous voyez cette nature luxuriante. Donc je dis que dans cet endroit du monde, on aurait mis un hôtel 5 étoiles, les touristes se battraient pour y aller. Et je trouve que c'est presque l'oxymore de la vie parce qu'il y a la tragédie humaine devant la beauté absolue de la nature. Ça m'a marqué aussi. Alors, c'est tout le paradoxe, effectivement, c'est magnifique et en même temps le camp en train de se vider, ça c'est les aspects positifs. Et puis vous insistez quand même beaucoup dans différents chapitres de vos écrits sur c'est quand même un camp où on est enfermé. Ça revient d'ailleurs chez chacun d'entre vous et ça reviendra dans les autres camps aussi. Il y a quand même, c'est un camp fermé, vous le disiez, hein, 17h c'est fermé, il y a les enfants et les femmes ne sont jamais sortis quasiment. Oui, c'est la nourriture. Comme si la vie s'arrêtait à 17h. Donc, maintenant, si vous discutez avec les gens, les Népalais de la ville, ils disent, mais s'ils sortaient, je dis, pourrais voir un spectacle, aller dans un restaurant, et on va vous répondre, ça c'est les pragmatiques. Mais oui, mais ils n'ont pas de quoi payer un ticket de spectacle ou aller au restaurant. Soit, mais quand même, c'est aussi un plaisir de flâner tout simplement le soir, juste pour le bonheur de se dégourdir les jambes. Eux, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, on est cantonné. Pour moi, le confinement s'ajoute à la douleur d'être limité dans sa liberté dans la journée, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas non plus le droit de quitter ce camp. Et mettre toutes les générations dans ce bicoque où les jeunes sont contraints à la sagesse, finalement, ils doivent vivre comme des moines. Voilà, c'est ça. C'est quoi avoir 20 ans au Népal, dans un camp de réfugiés, et n'avoir pas le droit de sortir des jeux coquins le soir. Et en même temps, il y a ces choses terribles, il y a l'enfermement, il y a effectivement le manque de nourriture, hein, 2100 calories, mais avec tous les 15 jours de distribution, et c'est toujours la même chose, un peu de maïs, un peu d'orge, un peu de vin, donc c'est quand même très ennuyeux au bout de 20 ans. Et à côté de ça, vous racontez énormément de choses, et ça c'est vraiment tout l'intérêt du projet, c'est que c'est pas le regard du journaliste très, très formel, c'est que vous racontez des moments magnifiques où vous dansez, où vous faites la cuisine avec les dames. Vous savez, parmi mes rêves de petite fille, je voulais être journaliste. Donc, et au Népal, je me suis rendu compte que je n'étais même pas capable de tenir l'interview. Parce que les dames, elles m'interrogeaient, les jeunes filles m'interrogeaient. Du coup, je ne pouvais pas mener la chose. Il y a un stage à refaire. Et pour la simple et bonne raison que les événements arrangeaient la suite de la rencontre. Un jour, je suis partie voir des dames. J'avais rendez-vous avec les dames dans un secteur. C'est très organisé, très structuré. Il y a une représentante de secteur. C'est presque comme la députée locale du secteur. Et les dames m'ont reçu en m'apportant une très belle assiette. Moi, j'avais déjeuné avant d'y aller. Il faut dire que Arte nous a bien traités. Hein. Donc, on regarde quand vous voulez. Donc, j'avais déjà déjeuné, mais on arrive et les dames m'apportent une assiette.
avec du riz au curry, des pommes de terre au safran, de très belles couleurs comme ça dans l'assiette, avec une générosité incroyable. Premier réflexe, je me dis, mais je ne vais pas les priver du peu de nourriture dont elles disposent. Et puis la dame, elle insiste. Et alors j'en prends et je mange. Et à un moment donné, elle dit à Dipina, notre traductrice, eh bien, on est contente qu'elle mange ici, parce que souvent les gens ont peur de manger chez nous à cause des maladies. Donc déjà, ça, c'était la proximité. Après, elles ont mis de la musique. Elles ont commencé à danser pour me montrer les danses de leur pays, de leur culture. Et elles m'ont dit, après, tu nous montres une danse de chez toi. Donc chez toi, c'était assez compliqué, la France ou le Sénégal. Nous sommes là, on a du malin ou une bourrée ou une musique, je ne sais pas, ou du French Gargan. Et elles me disent qu'il faut quand même nous montrer. Et puis quand elles ont fini de danser, j'étais très timide. On se sent vulnérable quand on est au milieu de gens qui parlent une langue qu'on ne possède pas. Donc je me sentais très ridicule et vulnérable. Et elles ont insisté. Je dis, ce n'est pas avec cette musique que je peux vous montrer. Oui, mais ce n'est pas grave, montre-nous juste comment tu ferais. Et puis je me suis déchaînée. Donc j'ai dansé, et puis c'était un moment très joyeux. Donc les camps de réfugiés, ce n'était pas un endroit pour des pleurnichards. C'est un endroit pour des gens qui tiennent vaille que vaille, qui gardent la tête haute, qui ont de l'hospitalité, la dignité et des rêves pour demain. Voilà.